Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette salée. Une petite recette pour l'apéro, quelque chose de frais, de sain aussi, on va dire. Si vous aimez les avocats et le thon, nous allons faire un guacamole au thon. Vous allez voir, c'est vraiment rapide, simple et vraiment une tuerie. Alors, vous êtes prêts? On y va. Allons faire cette recette. C'est parti. Alors, pour les ingrédients, il nous faut une boîte de 200 g de thon au naturel, un citron vert, un petit oignon rouge, une gousse d'ail, deux bonnes cuillères à soupe de mayonnaise, peut-être qu'on va devoir en rajouter, mais à voir. Des Doritos pour l'accompagnement, deux avocats bien mûrs, alors du pili-pili concassé, une demi-cuillère à café, maintenant on peut en mettre une. Mais c'est au choix. Sel, poivre. Alors, dans une petite assiette, on va évidemment j'ai égoutté le thon au préalable. Là, on va mettre notre thon dans l'assiette. Allez, hop, hop, hop. On va ensuite rajouter un petit morceau d'oignon. On va pas mettre tout l'oignon. On va mettre un quart d'oignon. Voilà. Notre petit oignon. Voilà, donc j'ai dit on prenait un quart d'oignon, c'est largement suffisant. Vous pouvez en mettre un petit peu plus hein, si vous aimez ça, mais comme il y aura déjà l'ail, autant y aller doucement. Tout petit bout. Voilà, donc j'ai rajouté mon petit oignon. Ensuite, on va mettre l'ail. On va d'abord le presser. Déjà l'éplucher. Hein. Et puis on va le presser, vous savez, avec mon petit appareil, notre écraseur de tête, c'est parti. Hop, hop, et go. Voilà, bien écrasé, bien juteux. Voilà, notre petit citron. Alors une astuce, voilà, on le roule un petit peu et ça va être plus facile quand on va le presser. Allez, hop, 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 notre petit citron. Voilà. On va déjà mettre une partie, là, sinon ça va déborder. Et deux. Et notre deuxième. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, c'est simple. Maintenant, on rajoute notre mayonnaise. Donc il y a deux cuillères à soupe, hein, mais je vais voir une fois que tout sera mélangé s'il ne faut pas en rajouter un peu. Voilà. Voilà, non, notre avocat fait bien tout le tour. Bon, ça c'est toujours la surprise. Est-ce qu'il est beau? Il est magnifique. Je vais prendre une cuillère pour enlever le noyau. Nous allons éplucher notre petit avocat. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore. Vous allez voir le mariage entre le thon et l'avocat. C'est du tout. Voilà. On fait la même chose avec le deuxième. Voilà, donc on rajoute notre avocat, on met un petit morceau. De toute façon, après, on va écraser toute cette mixture. On fait la même chose avec le deuxième. Hein. Voilà, c'est reparti pour le deuxième. Voilà, donc j'ai rajouté mon deuxième avocat. Maintenant, on va poivrer. Allez-y, gaiement. Salé. Et notre petite cuillère de pili pili. Voilà, maintenant on va écraser tout ça. On va essayer de faire ça proprement hein, parce que je pense que mon assiette est un tout petit peu juste. Allez, on mélange bien, surtout que l'avocat soit bien. S'il est bien mûr, il n'y a aucun souci. Hein, ça va bien s'écraser, ça va fondre. C'est nickel. Donc on mélange bien tout ça. Voilà, donc là, j'ai bien tout mélangé. J'ai rajouté un peu de mayonnaise.
Parce que je voyais qu'il n'y en avait pas assez, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va passer au dressage quand même, parce que là, c'est pas appétissant, même si c'est super bon. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, notre petit guacamole au thon. Regardez-moi ça, ça a l'air appétissant. Et d'ailleurs, je pense que je vais craquer. Allez, c'est parti, je vais vous dire ce que ça donne. Hop là, petit Doritos. Et... Trop bon. Vous allez vous régaler, c'est une bonne promesse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires. Je répondrai volontiers comme d'habitude. À vous abonner au passage. On se retrouve rapidement pour une recette salée. La prochaine, non, mais non, qu'est-ce que je raconte? Pas salée, sucrée la prochaine fois. En attendant les amis, d'ici là, prenez vraiment grand soin de vous. C'est important.